Et papa? Oh, ma Juliette. J'étais en train de préparer des croques vieux monsieur, ça te dit? Ouais. T'as pas donné beaucoup de nouvelles ces temps-ci. En fait, j'ai fait un genre de dépression, mais ça va mieux maintenant. C'est vrai que c'est pas facile, la vie. Une artiste aussi, n'est-ce pas? Ce qui serait formidable, c'est que tu fasses ce que tu veux vraiment. Tu sais, maman, tout le monde n'a pas besoin de peindre des culs et des seins pour faire quelque chose de personnel. Pourquoi tu la détestes, Nato? Elle en aime un autre. Bonjour. Monsieur, enchanté. Je savais pas qu'il fallait venir déguiser, on me dit rien, moi. T'es très bien comme ça, un pédophile des années 80. À part l'année que j'ai passée avec toi, tu sais, j'ai pas tellement de bons souvenirs dans cette maison. Quelle année avec moi? T'as vraiment tout oublié. C'était quand ça? Je vous ai traumatisé tant que ça? C'est inévitable, tous les parents traumatisent leurs enfants. Oui. Et c'est comme ça que naissent les grands artistes. C'est qui est mort? Personne. Bon, tu as fait ta photo. Il m'adore. Faut que tu lui parles à ton père. Il va te dire pourquoi t'étais chez ta grand-mère. Ça suffit, là. On vous dérange pas, non? Stop. Le prochain qui glousse, je le vire. C'est elle qui glousse, c'est elle qui vire. Pardon, c'est lui qui glousse, c'est lui qui vire.